Ça va? Pas trop stressé? Non, je vois ce qu'il faut que je fasse. Parce que pour l'instant, vous avez eu 20 aux 3 contrôles du trimestre, 20 aux devoirs maison et 20 à vos deux premières interrogations au tableau. Oui. Vous pouvez avoir 20 de moyenne trimestrielle et donc 20 de moyenne annuelle, si et seulement si vous faites un sans faute. Mais je vois ce qu'il faut que je fasse. Enfin, je pense. Attendez. Delphine, venez ici. Je veux que vous puissiez bien voir comment il fait, hein? Vous qui avez encore du mal avec les mathématiques. Regardez-le bien. Ne le quittez pas des yeux. Zéro. Quel dommage. Merci, Delphine. Vous pouvez retourner vous asseoir. Vidal, au tableau. Bien. Madame Desmoulins, Madame Truffen, je voulais vous voir car lors du dernier contrôle de grammaire, vos deux filles étaient assises côte à côte et elles ont triché. Alors je ne sais pas qui a triché sur qui, mais je les ai convoquées toutes les deux pour leur dire que c'était grave et leur donner une punition. Vous avez bien fait, Madame Pitou. Attendez, tricher c'est très très grave, même en CE2. Surtout en CE2, Valérie, surtout en CE2, parce que s'ils commencent à cet âge-là, où va-t-on? Madame Pitou, vous avez très bien fait. Bon, après quand vous dites que vous ne savez pas qui a copié sur qui, là par contre c'est une évidence. Qu'est-ce qui est une évidence? Enfin, Valérie, votre fille est nulle en grammaire. Oui, je vois pas le rapport. C'est pourtant clair. Je veux dire, il faudrait vraiment que ma fille soit complètement débile pour copier sur une truffe, alors qu'elle est super bonne en grammaire. Non, mais... Alors, c'est vrai que d'habitude, Charlotte est très bonne, mais là, elle a fait des erreurs énormes. Énormes, comme celle de ma fille d'habitude? Oui. Bon! Écoutez, moi, je vais faire travailler la grammaire à ma fille, et puis je vous laisse éduquer la vôtre, parce que tricheuse et débile, en plus... Oh, ça fait beaucoup quand même, hein. Un bonbon peut-être. Oh Sylvain, mon pote, tu t'en es sorti. Oh là, je suis content. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu foutais au Nigeria? De quoi tu parles? Hier, tu m'as envoyé un mail pour dire que t'étais coincé au Nigeria, qu'il fallait qu'on t'envoie de l'argent pour rentrer. Un mail? Hier, à 19h, tu m'as envoyé un mail du Nigeria. Olivier, t'es débile ou quoi? C'est un spam. Un spam? Un spam, c'est des mecs qui ont dû pirater ma boîte mail pour essayer de se faire du fric. Olivier, je suis parti d'ici à 18h. Comment veux-tu qu'une heure plus tard, je sois au Nigeria? C'est vrai, je me suis dit que t'avais fait vite. Voilà. En même temps, t'avais l'air super stressé et tu disais qu'il fallait que tu te fasses opérer d'urgence d'un rein, sinon ça allait s'infecter et que t'allais mourir. Je suis content que tu sois revenu. Théo, ça a pas l'air d'aller. C'est rien, madame. Vous avez l'air complètement effondré. Dites-moi ce qui vous arrive, je peux peut-être vous aider. C'est gentil, madame, mais en fait, ma vie est foutue. Oh, faut pas dire ça à votre âge, voyons. Non, c'est vrai, pourtant. Je suis allé voir la conseillère d'orientation. Ah oui? Elle m'a posé plein de questions et tout. Et alors? Alors, c'est toujours le même métier qui sort. Ah, et vous pensez que ça vous plairait pas comme métier? Ah non, c'est un boulot horrible, stressant, ingrat. Puis un salaire de misère. Tout le monde vous déteste et personne ne vous écoute jamais. C'est quoi ce métier? Prof. C'est pas faux. Bonjour Marina. Vous aussi, vous avez une invitation pour un anniversaire? Oui, c'est la maman là qui vient de me le donner. Pareil. C'est chez qui le vôtre? Thibaut Plantier. Oh, Plantier? Oh, c'est top ça! Vous avez déjà vu le père? Non. Oh là là, en plus, je crois qu'il y a de l'eau dans le gaz en ce moment avec sa femme. Oui, enfin, tout ce que je sais, c'est que le gamin, c'est le dernier de la classe. Hein. Voilà, justement, qu'est-ce que je disais? Voilà, il y a des problèmes dans le couple, c'est évident. Oui, enfin, problème ou pas, je suis pas sûre que ce genre de fréquentation ait une bonne influence sur ma fille. Hein. Oh. Et vous, c'est qui? Erwan Malhomme. Malhomme? C'est pas vrai. Oh, mais c'est des gens très bien, ça a une grande famille d'industriels, le père est polytechnicien. Ouais, enfin surtout très moche et très marié. Hein. Alors que Plantier... Oh. J'ai envie de vous faire un bisou. Allez. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Oh, oui, vous aussi. Vous comprenez, Madame Truche, c'est très important de suivre les progrès réalisés par ses enfants. D'ailleurs, moi, je garde absolument tout. Tenez, je vous ai amené l'ensemble des copies de Paul depuis la sixième pour que juste... Oh, depuis la sixième? Ah, tout de même, oui. Ça ne vous intéresse pas? Si, ça me passionne. Ah, j'en étais sûr. Alors, nous allons aborder... Anne-Marie, ta mère est à l'hôpital, il faut que tu ailles tout de suite. Oh, mon Dieu, monsieur Ricotto, je suis désolée, mais là, je vais devoir y aller. Mais certainement, je ne suis pas un monstre. On verra ça plus tard. Ne vous inquiétez pas, je reprendrai rendez-vous avec vous comme la dernière fois. Et d'ailleurs, à propos de la dernière fois, elle était pas morte, votre mère? Vous croyez? Alors,
Là, je sais pas, je me souviens pas. Là comme ça, vous voyez, ça me... Sylvain, ça te dit quelque chose, toi? Non. Eh bien, voilà, monsieur Ricaudo, non seulement vous n'êtes pas venu pour rien, mais en plus, vous repartez avec une bonne nouvelle. Maman n'est pas morte. C'est bien aujourd'hui la sortie pédagogique de ma fille, hein? Oui, je les emmène au musée. Pourquoi, il y a un problème? Non, aucun, justement. Ah. Qu'est-ce qu'en fait? Oui. Je me suis trompée. Oui. C'est bon, elle est dans son bureau. Elle sait que c'est super risqué. T'inquiète. Oui, madame la CPE? Oui, je vais mettre le feu au collège dans 5 minutes. Et voilà le travail. Oui? Moi? Oui, c'est mon numéro, mais... D'accord, très très bien, madame la CPE. Oui, j'arrive tout de suite. Tu te sens mieux? Ah ouais? T'as un braguette. Oh. T'avais oublié ton portable en cours. Oh merci, c'est chouette. Entre potes. Ah, en fait, il y a la CPE qui veut te voir. C'est vrai? Mmh. Oh, elle va sûrement me féliciter pour mes bons résultats du trimestre. Oh, merci les gars, j'y vais. Sûrement. Sûrement, ouais. Allez. Non, mais elle avait laissé son ordinateur sur sa boîte mail. C'est comme ça que j'ai découvert le poteau rose. Mais c'est peut-être un malentendu. Ouais, mon amour, jamais je n'étais aussi heureuse dans les bras d'un homme. Vous voyez un malentendu quelque part, vous? Ouais, non, là je dois reconnaître. Mais vous lui en avez parlé au moins? Bon, oui, elle me dit que j'ai qu'à faire pareil, que ça me ferait plus grand bien, enfin des conneries. Mais elle avait déjà eu des aventures avant ça? Oui, depuis toujours. Mais c'était que des passades. Mais là, je vois bien que c'est pas pareil. Elle est tombée amoureuse de lui, ça c'est sûr. Des passades depuis toujours? Mais enfin, ça vous dérangeait pas? Non, c'est naturel. Elle a de gros besoins. Hein. Oh non, c'est space, là, quand même, votre histoire. Si vous fermiez les yeux sur des trucs comme ça, il y avait quand même de gros risques qu'elle en trouve un autre. Ouais, mais elle m'avait promis que je serais son seul et unique amour. Je suis quand même son fils! Attendez, depuis une demi-heure, vous me parlez de votre mère? Bah ouais. Mon moment. Chaque retour de vacances est pareil, j'ai pas envie d'aller leur faire cours. Si tu veux reprendre en douceur, t'as qu'à faire comme moi. Leur colle une interrogation surprise. Non, je leur en ai déjà donné une avant de partir en vacances. Et alors? T'as qu'à leur en donner une autre sur un sujet que t'as pas encore étudié? Ils vont pas savoir répondre. Justement. Moi, ils répondent, moi, t'as à corriger. C'est génial. Ouais. Et ce qui est encore plus génial, c'est qu'ils vont devoir travailler tout le trimestre pour rattraper leurs mauvaises notes. Oh, you're so bad. Thank you. Cheers. Bien, alors Delphine, fesses, comment ça s'écrit fesses? F-E-2-S-E-S. Ah bah vous voyez quand vous voulez, notez-le au tableau. On peut savoir sur quoi porte le cours exactement? Ben français, ça se voit pas. Hein. Alors, autre chose, ouvrez les guillemets. Il paraît qu'il a déjà baisé. B-Z-D. Bon, ça s'écrit comment baiser? B-A-I-S-E-R. Et accent aigu. C'est un participe passé, pas un infinitif. Attendez, à quoi vous jouez là? Contrôle de grammaire et d'orthographe. Oui, normalement, il s'effectue sur les rédactions, mais comme votre fille n'a pas écrit une ligne sur sa copie pendant le cours, je m'adapte en corrigeant ses SMS. Et c'est pas la matière qui manque, hein? Ah, celle-là, elle est bien. Est-ce que t'as du shit? S-E? S-A-S-E? Voilà. Monsieur Jaffar, mon fils Paul m'a dit que vous vouliez me voir en privé. Et en effet, monsieur Ricaudo, c'est un peu délicat. Je déteste me mêler de la vie privée de mes élèves, mais votre fils m'inquiète. Il est perturbé. Je n'ai rien remarqué. Évidemment. Est-ce qu'il vous a parlé d'Hector? Oui, je crois, son nouveau copain, c'est ça? Un copain qu'il voit beaucoup en ce moment, pour ne pas dire qu'il passe des heures à discuter avec lui. Oui, bon, bah, d'accord. Et quel est le problème? Je doute qu'Hector soit très fréquentable, surtout pour un garçon de l'âge de votre fils. Alors là, je vous arrête tout de suite, monsieur Jaffar. Paul fréquente qui il veut. J'ai appris à mes enfants à ne jamais juger les gens sur leur origine, leur milieu ou leur orientation sexuelle, c'est clair? C'est très louable, mais... Il n'y a pas de mais, monsieur Jaffar. Alors gardez vos préjugés pour vous et laissez Paul choisir ses amis comme il l'entend, même s'il ne vous plaise pas, d'accord? Je vous présente Hector. Hein? Le copain de votre fils. Monsieur Ricaudo, le papa de Paul. T'as un drôle de copain.
Bonjour, Madame Pitou. Bonjour, Madame Desmoulins. Merci d'être venue. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est au sujet de Laura. Je veux surtout pas vous inquiéter. Je me demandais juste si vous aviez envisagé de lui faire voir un psychologue. Enfin, elle va bien, Laura. Elle a des bonnes notes, elle a plein de copines. Oui, normalement, oui. Mais aujourd'hui, je l'ai trouvée toute changée, comme si elle avait subi un brusque traumatisme. Un traumatisme? Oui, j'en ai peur. Vous voyez, j'observe toujours de très près mes élèves. Et aujourd'hui, tout à coup, Laura refuse de me regarder en face quand je lui parle. Plus j'essaye de m'approcher, plus elle se détourne. C'est comme si elle voulait échapper au contact humain. Et ça m'inquiète. Enfin, ça m'inquiète pour elle. Mm-hmm. Il y avait quoi, Madame Pitou, à la cantine aujourd'hui? De l'aïoli. Morue. Pourquoi? Bah, c'est quoi ce bonnet, Paul? Bah, j'étais chez le coiffeur. Il t'a raté? Bah, non, moi j'aime bien, mais les autres, ils s'arrêtent pas de se moquer de moi. Mais qu'est-ce que t'en as à faire des autres? Rien. Bah si, un peu quand même. Bon, écoute-moi bien, Paul. S'il y a bien une chose que tu dois retenir de ta scolarité, c'est ça. Tu te moques du regard des autres. Tu pourras jamais empêcher les imbéciles de se moquer, alors fais-toi plaisir. Allez, sois toi-même. Retire ton bonnet. Oh la vache! On dirait Madame Truche! Remets ton bonnet. Non, remets... Eh, n'y va pas, ils vont te tuer! Je peux te filmer? La théorie de l'escalier. La quoi? C'est l'idée que tout à fond... La quoi? La théorie de l'escalier. Ah mais... Ça ne va pas. La théorie de l'escalier. La théorie de l'escalier. La quoi? La théorie de l'escalier. Non, je... C'est l'idée... Je suis désolé. Dans le cadre de nos TP de chimie, et parce que je voulais vous présenter une matière dont l'application allait du petit électroménager jusqu'à l'aéronautique, je vous ai demandé de réaliser une réaction de polycondensation. Mélangez dans un gobelet en plastique le composant B, un disocyanate, auquel on ajoutait une part équivalente du composant A, un polyol. Mis en contact et bien brassé, les deux composants devaient réagir, ce que sans l'ombre d'un doute, ils ont fait. Maintenant, je vous pose la question. M'avez-vous entendu dire que la mousse expansive pouvait servir de prothèse mammaire? Delphine Bresson, dehors! Oh Nadine, il parle de toi? De moi? Enfin, des jeunes mamans en général, hein, qui ont la chance d'être beaucoup plus aidées qu'avant par leur conjoint pour s'occuper du bébé. C'est vrai, ça? Ah ben, je sais pas, ils faisaient quoi avant? Rien. Ah oui, alors oui. Les temps ont changé. Bah, et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Tout. Bah, tu veux dire que les hommes savent s'occuper des bébés? Ah bah, super bien. Écoute, ils préparent le biberon, ils donnent le bain, ils mettent les couches. Ils se lèvent pas la nuit, quand même. Je suis sûre qu'ils se lèvent pas la nuit. Ah ben, ils font tout comme nous, je te dis. Écœurant. J'aurais dû naître 20 ans plus tard. Non, enfin... Cela dit, si je puis me permettre, hein, très rapidement... Ils en ont marre, ils arrêtent. T'as histoire géo ce matin? Ouais, première heure. Bah, il se peut que les barriques soient un petit peu bizarres. Pourquoi? Bon, on s'est retrouvés sur le même tournoi de tennis. Tu l'as laissé gagner, j'espère. Et ouais, ça va là, l'honneur des Vidal. Oh là là. Bonjour Benjamin. Bonjour monsieur Vidal. Sylvain, on avait dit Franck. Alors, bien remis? Ça va, Franck, et vous, pas de courbature? Bon, pensez, 6-2, 6-2. Je suis pas trop fatigué, hein. Une bien belle raclée, hein. Limite une branlée. Bon, bah, à bientôt, hein, pour la revanche. Hein. Enfin, un nouveau match, quoi. Enfin, une petite leçon. C'est ça, oui. Ah, Benjamin. J'ai corrigé ta copie hier. 6-2. Oh, je suis pas trop fatigué. Une bien belle raclée. Hein. Limite une branlée. Allez, Charlotte, on se dépêche. Oui, maîtresse. Ah, dis-moi, tu penserais à demander à ta maman les 10 euros pour la photo de classe, hein? Ben, je lui ai dit, mais elle dit que ça sert à rien. Comment ça, ça sert à rien? Bah, c'est vrai, ça sert à rien, une photo de classe. Ah, ben non, je suis pas d'accord. Par exemple, plus tard, quand tu la regarderas, tu pourras dire « Tiens, ça c'était Laura Desmoulins, et aujourd'hui, c'est une grande avocate. » Ou alors « Tiens, ça c'était Laurent, et aujourd'hui, il est maçon. »
tu comprends? Ah oui, d'accord. Ou alors, tiens, ça c'était ma maîtresse, Madame Pitou. Et aujourd'hui, elle est morte. Alors, voyez-vous, Mariani, je m'inquiète pour votre avenir. Faut pas, madame, faut être dans le moment présent. Justement, il me paraît évident que vous êtes rarement là. Alors là, non, bah, j'ai pas été absent cette semaine. Oui, physiquement, il vous arrive d'être présent, en effet, hein. Mais vous avez la tête ailleurs. Vos notes sont bonnes, certes, mais vous êtes rêveur, distrait, jamais concentré. N'ai-je pas raison? Bah, à propos de quoi, madame? Non, mais il faut vous ressaisir, mon petit Mariani. Si vous voulez vous en sortir, réussir, vous adapter à la vie active, il faut faire des efforts et surtout garder la tête sur les épaules et pas dans les nuages. D'accord. Bon, je peux compter sur vous, Mariani. Bah ouais, pas de problème, madame. Bah, au revoir. Ah, ça, au revoir. Mmh. Oh, ça va? Un peu crevé, mais ça va. Oui? Ah, Madame Bresson, c'est pourquoi? Je dois impérativement parler à ma fille. Ça va pas être possible, ils sont en plein contrôle. C'est urgent, je dois parler à ma fille, là! L'urgence de votre fille, Madame Bresson, c'est d'avoir une note supérieure aux 4 de son dernier contrôle. Non mais écoutez, Monsieur Jaffard, c'est urgentissime, vitalissime. C'est impossible, Madame Bresson, sauf cas majeur. Est-ce un cas majeur? Oh, oui. Une nouvelle mort subite dans votre famille? La grippe espagnole? Une énorme météorite qui menace toute la planète? J'en conclus donc que vous pouvez attendre la fin des cours pour parler à vous. Ah, Delphine, tu prends immédiatement mon bustier, c'est le seul qui va avec cette jupe! Dépêche-toi! Bon, au karaté, on gagne pas avec ses muscles, on gagne avec ça. Tout est dans le mental. D'accord? Alors, quelqu'un pour la démonstration, là, on échange quelques coups. Moi, monsieur, j'en ai fait 7 ans, si vous voulez. Ok, je sais pas, enfin bon, Ça va, je vais y aller doucement. Ah voilà, donc typique l'attitude du pignouf qui correspond pas du tout au karaté. Là, je te parle honneur et toi, tu me réponds vantardise de petite frappe. Non, t'as écouté ce que j'ai dit tout à l'heure? Ça va, je plaisantais. Ah, ben, tu viens en cours pour plaisanter, toi. Ça t'amuse de te foutre de la gueule d'une discipline millénaire et de ton prof par-dessus le marché? Tu sais ce que c'est l'honneur d'un guerrier? Ouais, bon, allez, tu vas te mettre sur le banc là-bas, tu vas te calmer un petit peu pendant l'heure. Tu vas là-bas! Bon, au hasard, Ricodo. Vous ferez attention parce que j'ai une nouvelle lunette. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Allez, allez, avec honneur. Voilà, ça, c'est l'esprit karaté. C'est gentil à vous de m'accepter pour me donner... m'accepter. Prêt pour notre réunion industrielle? Oui. Et un vrai. Il a déjà les yeux. Pas toi, Benjamin. Oui, j'y suis là, je te rappelle. Ah, monsieur Vidal. Bah, c'est si grave que ça? Bon, bah vas-y, répète à ton père ce que tu m'as dit. Benjamin, vas-y, répète, sinon c'est moi qui vais le dire. Bon, au second trimestre, Benjamin va faire du badminton. Badminton? Le truc avec les... Ouais, le volant. Même pas une balle, hein, le volant. Ouais, les élèves avaient le choix, c'était badminton ou football. Quoi? Attends, c'est pas possible, Benjamin. Mais j'aime pas le foot, papa. Franchement, 11 mecs qui courent après un ballon... 11 mecs qui quoi? Je me sens pas bien. Infirmière! Infirmière! Tu veux tuer ton père ou quoi? Je me sens pas bien. Papa? Ah bah voilà. Madame Truche, est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Je voudrais écrire un truc pour une fille que je kiffe grave, quoi, pour lui dire ce que je ressens. Oh mais c'est une très bonne idée, Théo. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à trouver les mots. Ah! Bah, on va essayer ensemble, hein. Je commence le vers, vous le terminez, d'accord? Ok, d'accord. Alors, attends... Ah oui, voilà. Te voyant chaque matin dès que la cloche sonne, je n'éprouve qu'un désir... Te dire combien t'es bonne. Oui, 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 ça rime au moins, hein, c'est ça, c'est, ça rime. Bon, on continue, hein, voilà.
Tu portes parfois sur moi ton regard de princesse. J'attends que tu te retournes pour te mater les fesses. Oui. C'est, ce qui est positif, c'est que vous avez le bon nombre de pieds, déjà, hein, c'est bien. Bon, alors, on continue, mais bon, quelque chose de plus romantique, hein, d'accord ? De tes charmes, mon cœur s'est tellement emballé... Que je passe mes nuits à me broncher. Stop ! Mais quoi ? Stop ! Mais ça arrive. Mais du coup... Mais le... Non. Mais le truc sur la fin... D'après Féminin Madame, le mec idéal doit être célibataire. Ah bah ça c'est sûr, parce qu'un mec marié, franchement, c'est la galère pour tout le monde. Il doit avoir un bon métier, si possible profession libérale. Ouais, genre pour assurer l'avenir du couple tout en restant indépendant. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, être un peu intellectuel, mais pas trop. Genre, je peux tenir une conversation en même temps, je suis pas prise de chou, sinon... Et être plutôt ouvert d'esprit et pas macho. Ça, Isabelle, ça c'est très important, ça je suis entièrement d'accord avec ça. Ouais, ça c'est vrai. Mais dis donc, ce serait pas un peu la description de Jérôme Mariani? Le gynéco. Ah mais attendez, mais vous avez raison, c'est troublant ça, non? On est d'accord. Ouais. Hein. C'est quoi l'article suivant? La taille du sexe de l'homme serait proportionnelle à la taille de ses pieds. Ouais. Bon, ouais. Si vous vous posez la question, Mariani, chose du 40, hein, voire du 39. Eh oui, c'est du 48. Et encore, je suis un petit peu à l'étroit là. Pitou. Alors, je viens vous voir parce que Charlotte m'a dit qu'aujourd'hui, vous ne lui aviez pas rendu son devoir sur table. Devoir sur table? Mmh. Charlotte, un devoir sur table? Aujourd'hui, vous avez rendu leur copie à toute la classe, sauf à ma fille, une rédaction. Le thème, c'était le cadeau de mes rêves. Elle en était très contente. Oui, ça y est, absolument. Ah. Ça me revient. Hein? Alors, bah quoi, vous l'avez perdu? Perdu? Mais pas du tout. Enfin, oui, je l'ai perdu. En fait, je sais pas si. Attendez, Nana, vous êtes pas en train de cacher une copie, là? Non. Mais c'est l'écriture de ma fille. Donne-moi ça. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette rédaction? On va bien voir. Le cadeau de mes rêves, le plus beau cadeau que pourrait me donner la vie, serait d'être élue présidente de la République quand je serai grande. Par contre, je n'aimerais pas recevoir une friteuse comme papa a offert à maman pour Noël. Ça craint. Surtout qu'il a offert une jolie montre à Anneli. Sa secrétaire qui le répète à tout le monde dans le dos de maman. Voilà. Alors, cette factorisation? Franchement, je sais pas et je m'en tape. Vous allez faire quoi? Vous allez me coller? De toute manière, mes samedis sont pleins jusqu'à la fin de l'année. De mon temps, on ne parlait pas comme ça aux professeurs. Mais de mon temps, les professeurs avaient droit aux sévices corporels. Ben oui, mais on n'est plus à l'époque des dinosaures, c'est bête ça. C'est vrai, tout est plus compliqué maintenant. Ricodo au tableau. Pap, pap, pap. Non. Prenez ça. Mettez vos mains comme ça, là. Ricodo, allez-y. Oh, oh. Ricardo, c'est mon pote, il le fera jamais. Et puis de toute façon, il a pas les... Sinon, je vous mets un 2 sur 20. Tout est tellement plus compliqué de nos jours. Merci, Ricardo. Vous me ferez tout de même 2 heures de colle pour avoir frappé un camarade. Allez-y. Parce que la galoche Vidal, c'est une galoche de qualité. Oui, madame. El Galocho. Je suis désolé. Waouh, monsieur, comment vous lancez super loin. Et encore, là, c'est... Papier. Colle. Ciseaux. Peinture. Oh, ta maman, elle va être fière de toi, Laura, hein? Mais c'est vous qui avez tout fait, madame. Ah oui, c'est vrai. C'est moi, voilà. Tiens, tiens, tu mets ton prénom, là. Ah, voilà. Oh, super, allez, t'embrasses ta maman, hein. Allez, 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 allez. Voilà,
J'ai très envie de faire de la pâte à sel. Qu'est-ce qui va emporter une belle tour Eiffel à sa maman? Hein? Qui? Oh, qui? Mais c'est énorme! Mais c'est tellement mérité, hein? On est les meilleurs. On est les meilleurs. Je t'embrasse. Les nouvelles sont bonnes, apparemment. Très! On vient d'avoir une grosse promotion. Quand vous dites « on », vous parlez de votre mari? Non, je veux dire « nous », hein? Vous croyez que mon mari ferait cette carrière sans mes conseils? Eh non, la réussite d'un couple, c'est un travail collectif. Enfin, chez nous, en tout cas. Attendez, vous pouvez préciser, parce que je... Avec votre mari, c'est un petit peu chacun pour soi, hein? Voilà, nous fonctionnons en équipe. Écoutez, nous, au moins, on se parle. Et puis moi, j'ai un vrai rôle. Je me la raconte pas en disant « on a eu une promotion » alors que j'y suis pour rien, parce que là, excusez-moi, mais c'est vraiment pathétique. Mais ce qui est pathétique, Valérie, c'est votre jalousie. Grâce à notre travail, nous avons eu une promotion qui va nous permettre d'agrandir notre maison. On partage tout. Voilà, c'est clair? Eh bien, écoutez, dans ce cas, Marina, félicitations, parce que j'ai croisé votre mari hier soir en ville, et franchement, vous avez bien choisi votre nouvelle maîtresse. Faudra juste penser à lui faire un petit cadeau avec votre augmentation. Parce que j'ai trouvé qu'elle faisait un peu cheapos. Perdu. Essayez encore. Oh, non, madame, s'il vous plaît, si vous me faites pas sortir, faites au moins venir l'infirmière de l'école. Vous savez qu'on peut en mourir de ça? Vidal, vous m'avez déjà fait le coup avec la coqueluche, la peste bubonique, et la dernière fois c'était le choléra. Hein? Alors cette fois-ci, vous êtes puni, vous ne sortirez pas d'ici tant que vous ne l'aurez pas trouvé. Perdu. Oh là. Bon, Vidal, ça prend pas là. Hein? Levez-vous, allez. Benjamin. Où? Benjamin. 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 Oh là là, oh là, oh là. Allô, les urgences? Oui, c'est pour une crise d'appendicite, hein. Faites vite. Allez, hop. Merci, monsieur. Je peux vous l'emprunter, monsieur? T'as vu ça? Mort de trouille, les petits morveux. Ils ont peur de quoi? Du contrôle de géométrie qui commence dans 5 minutes. Ils révisent comme des fous. Aux toilettes. Et toi, tu trouves ça normal? Je leur ai dit que celui qui n'avait pas au moins 10 sera collé samedi. Non, je te dis ça parce que le prof de SVT vient de leur expliquer que la taille moyenne d'un organe masculin, c'était 15 cm. Merci, monsieur. Alors, Théo, t'es dans la moyenne? En SVT? Te demander, Lorraine, toi qui as toujours pour moi une oreille attentive, on ne court pas dans la cour! Bah, tu sais que tu peux me demander ce que tu veux, après tout, je suis là pour ça. Vidal! Enlève ta chaussure de la bouche de Ricardo! Je sais, mais là, c'est vraiment délicat. Hein. Il faut vraiment que ça reste entre nous. Bresto, ne restez pas en soutien-gorge, vous allez attraper froid! Mais tu sais que tu peux compter sur ma discrétion. Maintenant, je considère qu'on est amis. Mariani! Rends son appareil dentaire à Ballanger, c'est pas un jeu! Alors, je voulais te demander si... Vidal! Rendez le soutien-gorge à pression, il fait froid! Alors voilà. En classe! Oh, merci, 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 mais... Puis ça m'a fait du bien de parler comme ça. Oh, pourquoi t'es habillée comme ça? Mais enfin, Lorraine, t'es complètement inconsciente ou quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, c'est le troisième trimestre. Eh ben quoi, le troisième trimestre? Qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3, lancez! C'est Fernandez, il fait son cours de javelot. C'est juste une question d'habitude. Et on y retourne. Allez, dans l'autre sens. Allez, on y va! Mais qu'est-ce qui vous arrive, Ricolo? Je viens de voir la mort en face. Je viens de voir la mort en face.
Salut Delphine, ça va? Tu as un mal quelque part? Ah non, pas du tout. En fait, je voulais vous parler de femme à femme. Voilà, vous avez remarqué que tous les garçons se retournent sur vous quand vous passez à côté d'eux. Oui, et... oui, je sais. Et alors? Bah, il y a comme qui dirait un petit problème. Ça te met mal à l'aise, c'est ça? Tu as l'impression de plus être regardée? Trop pas, c'est pas moi qui... Tu sais Delphine, je commence à te connaître. Je te vois faire dans la cour avec tes petits camarades. Tu souffres clairement d'une tendance exhibitionniste. Mais n'importe quoi. Mais si, tu t'habilles très sexy pour ton âge, tu ris très fort pour attirer l'attention. Peut-être, mais moi au moins je me trimballe pas dans tout le collège depuis 2 heures avec ma jupe coincée dans ma culotte. Bonne journée. Bonjour. Ah bonjour Marina. Vous lisez la rubrique nécrologique? Mais c'est professionnel. Bah vous êtes dans l'immobilier, c'est quoi le rapport avec le faire part des décès? Bah, un mort, c'est un appartement qui se libère et donc qui peut être à vendre. Alors, je cherche le nom du défunt, je trouve le numéro et j'appelle la famille. Ah, mais c'est un vrai travail de vautour, ça. Oh, bah, d'un point de vue moral, c'est vraiment... Denise Philippe, morte dans sa 78e année, c'est pas vrai. Vous la connaissiez? Mais oui, c'est une de mes voisines. Oh, une petite dame adorable. Et là, elle est partie, c'est affreux. Et elle avait de la famille, cette brave dame? Un fils unique qui vit à l'étranger, un garçon charmant, mais je l'appelle tout de suite d'ailleurs pour lui présenter mes condoléances. Et vous pourrez me donner son numéro après? Oh, on peut respecter ma peine? Mais enfin, c'est un service que vous lui rendez. Bah si, s'il habite loin, il voudra sûrement vendre l'appartement de sa mère. Il est joli l'appartement. Splendide. Et depuis le temps que je le piste, il est hors de question que je paye une commission d'agence dessus. Allô, monsieur Philippe, bonjour. Oui, c'est Marina Truffen, la voisine de votre pauvre maman. Vous vous souvenez de moi? Bon, écoutez, je viens d'apprendre, c'est affreux. Oui, Mariani. Monsieur, c'est à cause du dernier contrôle. Je crois que vous êtes trompé dans ma note. Ça m'étonnerait. Bah, regardez pourtant. Ah, tentative de corruption. 2 billets de 20 égale 2 heures de colle. Non mais monsieur, là, ça se fait pas. 3. Mon foiré, ton truc, je viens de me prendre 40 euros. Là. Mais t'as rien pigé, regarde, moi je vais avoir 19. C'est pas possible, t'as 3. Matza. Monsieur? Mademoiselle Bresson, vous aussi vous avez l'intention de m'acheter? Ah pas du tout, moi je crois que vous êtes vraiment trompée dans ma note. Non bah alors là, non, c'est... Tiens. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Souriez. Ça... C'est un 19 à mon contrôle, où je balance la photo sur Internet. Sale pervers. Écoutez Catherine, je récupère mes enfants et je reviens à la clinique. Hein? Bah vous dites à Madame Martineau que je passerai la voir. Hein? Bon, allez, à tout à l'heure. Le boulot. Je connais. Hein. Ah. Dites, Oui. Vous êtes gynécologue? Oui, pourquoi? Ah, c'est quand même un drôle de métier, hein, surtout pour un homme. Quel effet ça fait de les voir comme ça, hein? Bah. Est-ce qu'on reste de marbre avec l'habitude ou au contraire on est... ça vous remue toujours un peu? Ah, pas un peu, hein, beaucoup. À chaque fois, c'est la même excitation. Hein. Bon, même si j'en ai vu des milliers, c'est tellement beau. Ah oh, ouais, ça c'est clair. Mais on s'en lasse pas un peu à force quand même? Ah non, c'est un tel plaisir de les découvrir et puis ils sont tous différents. Hein. Tous? Ah bah oui. Attendez, excusez-moi, vous parlez de quoi là? Ah bah les nouveau-nés, au moment de l'accouchement, c'est... C'est magnifique. Ah non, c'est bon, là, pas de détails, non, merci. Pervers, là. Régis? Régis? Il y a un chien dans ta classe. T'as eu peur? Oui, j'ai cru qu'il allait me bouffer. Tant mieux, il a fait son boulot. Comment ça, son boulot? C'est le chien de mon beau-frère. C'est un Deugar argentin pur race dressé au combat. Pourquoi tu l'as amené au collège? Pour que personne ne puisse s'approcher du sujet du brevet de maths. Cette année, il n'y aura pas de fraude. En effet, personne. Attila? Attila, couché. C'est papa, les croquettes. Voilà, vas-y, voilà. Allez, plus fort, Paul. Gauche, droite, gauche, droite. C'est faiblard, ça. Allez, allez. Voilà, et Paul, la boxe, c'est tout dans la tête, le mental, là. Imagine-toi un ennemi, quelqu'un à qui t'as envie de mettre une bonne raclée, là. Hein? Allez, vas-y. Voilà, voilà, voilà. C'est mieux, ça. À qui tu penses, là? À ma petite cousine. Ok, c'est bien. Mais prends quelqu'un de plus âgé, quand même. Allez, vas-y, frappe, frappe. Voilà, vas-y. Voilà, voilà, voilà. Allez, plus fort, là. C'est un peu mou, quand même, hein. Tu peux faire mieux encore. Allez, vas-y, vas-y, frappe, frappe. Allez, t'es le souffre-douleur du collège, là, hein. Tout le monde se moque de toi, hein. Prends ta revanche sur celui qui te traumatise, là. Vas-y, frappe, 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 frappe. Allez, vas-y. C'est bien, quoi.
Bien. Oh là là, Seigneur. Oh, Seigneur, quand tu es là. Voilà. Et moi. Oh merde. Si, ça passe pas. Oh, presque. Tu dis. Non, ils sont cons, c'est. Du carrelage blanc, environ 10 mètres carrés. Et pour les cloisons, ça sera du placo. Il faudra prévoir également le ravalement d'un mur porteur. Tu parles à qui ? Une entreprise de rénovation. La peinture ? Blanche satinée, monocouche, séchage rapide. Il faudra commencer demain, c'est bon ? Ok, parfait. Tu fais des travaux chez toi ? Non, c'est pour la réfection complète de ma salle de cours. T'as obtenu le budget du délégué de la région ? Je lui en ai même pas parlé. Mais t'es fou, ils vont jamais te payer. T'inquiète. On peut savoir comment tu vas t'y prendre ? Écarte-toi un peu. Voilà. J'ai collé Mariani, le fils du gynéco, et je lui ai demandé de mélanger du NO6 et du CX22. Ça devrait pas rater. C'est pas vrai, Mariani ! On va devoir facturer tout ça à votre père ! Vous êtes vraiment un incapable. T'es un génie, Régis. T'es un génie. Monsieur Fernandez, voilà, je voulais vous voir parce que je trouve que Juliette en ce moment, voilà, ça va pas du tout, quoi. En tout cas, au collège, elle va plutôt bien. Hein. Oh, c'est gentil de la défendre, hein. Mais je sais qu'elle est insupportable. Elle répond, elle bavarde, elle écoute rien. Non, attendez, avec les autres profs peut-être, mais enfin, en sport, elle est... Vous m'avez dit vous-même qu'elle séchait les cours. On peut pas laisser passer ce genre de choses, monsieur Fernandez, c'est pas possible. C'est vrai qu'il y a eu une période où elle séchait, mais là, franchement, je peux rien lui reprocher. Moi, je vous dis que si. Bah moi, je vous dis que non. Bon, écoutez, monsieur Fernandez, le comportement inqualifiable de ma fille mérite qu'elle soit collée mercredi tout l'après-midi. Tout l'après-midi. Mais pourquoi ? Mais parce que j'ai une formation à 400 bornes et personne pour la récupérer. Oh ! Mais c'est pas possible d'être bouché à ce point-là ! Ça y est, gros, je suis amoureux. Ah ouais. Je craque complet, là. C'est plus des courbes, là, c'est... C'est trop sexy. Salut, les gars. Alors, j'ai l'impression que ma nouvelle robe vous plaît. Tu peux te pousser, Delphine, s'il te plaît. Ouais, tiens, dégage, s'il te plaît. Ah ouais, d'accord, vous êtes encore à fantasmer comme des gros blaireaux sur madame. Bonjour, je suis l'infirmière et j'ai des gros nénés. Non. Ah ouais? Alors on peut savoir, là, ce que vous matez avec vos têtes de crapaud en rut? Coupé cabriolet de 1963. V8 Atmo culbuté. Puissance 420 x 5400 tours. Une bombe. Bonjour. Vous savez ce qu'il dit, mon fils? Jafar, personne ne l'aime, mais moi je trouve que c'est le meilleur. Et de loin. Ah si, si, mon fils, il vous trouve génial. Et entre nous, pas tir au flanc comme Monsieur Glevarek. Vous voyez ? Hein ? Bonjour. Vous savez ce qu'il dit, Benjamin ? Non. Tous des tocards sauf Glevarek. Lui, il a, je sais pas, un petit truc en plus. Heureusement que vous êtes là. Hein. Sinon, bah, Benjamin, il serait mort d'ennui. Hein. Un peu comme avec Madame Truche, vous voyez ? Oui. Bonjour. Bonjour. C'est quoi, Madame Truche ? Benjamin, il vous adore. Il est toujours en train de dire « Moi, j'ai une bonne prof, une. Les autres, c'est des nuls. » Enfin bon, bah tout ça pour vous dire que il a carrément peur de changer de classe et de ne pas vous avoir l'an prochain. Hein. Bon, enfin, ça reste entre nous, tout ça. Merci beaucoup, Monsieur Vidal. Mais il faudrait apprendre à chuchoter moins fort. Hein ? Beaucoup moins fort. Vous inquiétez pas, hein. Ça reste entre nous. Et vous pouvez rassurer Benjamin. S'il continue comme ça, il boira encore l'an prochain. Et moi aussi. Moi aussi. Réfléchissez, monsieur Mariani. Je réfléchis. Eh ben dépêchez-vous. Chaque seconde compte. Je vous assure, je comprends pas. Votre fils non plus, hein. Et ça ne vous aide pas beaucoup. Ceci dit, c'est la première fois que ça arrive, c'est pas... Il se fout de nous en plus. Je vais me le faire. Je vais me le faire. Vous faites un effort, merde. Il a
quand même pas disparu. Si, là, Lorraine, on peut dire qu'il a disparu, hein. Écoutez, il était juste à côté de moi et d'un coup, bah, je l'ai plus vu, moi. C'est une catastrophe. Mais il va rentrer tout seul, vous croyez pas? C'est pas un chien que vous avez perdu, monsieur Mariani. C'est le correspondant anglais de Théo. Il se repère pas l'odeur et il parle pas un mot de français. Ah, c'est pour ça qu'il comprenait rien. D'accord, non, là, j'ai... Je vais me le faire. Mariani, c'est ça? Oui, Théo. Alors, longitude 48,6, 6 latitude, 2,70, il est là. C'est loin? Nous, on est là. Oui. Le club, vous en avez pour une heure de route. Ah oui, quand même. Bon, bah, j'espère que je vais le retrouver. Oui, moi aussi, j'espère. Dites-lui juste que pour la note, je mets 8 sur 20, parce qu'il a ouvert son parachute beaucoup trop tard, il a atterri beaucoup trop loin. Par là? Voilà. Ouais, l'avion pour le sol, là. Vous pouvez larguer les trois derniers, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, monsieur Fernandez? Du parachutisme à des collégiens? Oh, calmez-vous, monsieur Ricodo. Pour une fois, votre fils va avoir une bonne note, hein. Non, mais vous allez avoir de gros problèmes, là. Ah, ben vous aussi, si vous restez là. Des menaces? Non, il faut pas rester là, monsieur Ricodo. C'est dangereux. Non, mais ça va pas. Je vais en parler au principal. J'ai réussi! Quel dommage! Le saut était bon, mon petit Paul, mais enfin, l'atterrissage, j'ai raté. Allez, je te mets 12 sur 20. Papa? Et heureusement que j'ai des dons de pilote, hein. Bah sinon j'aurais des tripes sur les chaussées. Vous avez vu? Il y aurait des tripes sur la chaussée. Il a failli me faire engloutir. C'est pas possible. Ah bah quand même. Encore? Bah ouais, Kaamelott de chez Kaamelott. J'ai pris la plus chère pourtant. Bon bah je passerai à la papeterie la semaine prochaine. Ah bah non, aujourd'hui hein, parce qu'avec Ben on doit faire le TP de physique pour demain. Bah vous n'avez qu'à prendre la sienne. Ah bah elle est morte aussi. C'est incroyable ça, mais qu'est-ce que vous faites avec vos équerres? Mais rien, le coupable c'est l'obsolescence programmée. Les grandes marques, ouais. Elles font exprès de produire des équerres avec des défauts. Pour nous forcer à en racheter. Et bah nous, trop bon trop con, on allonge la thune. Faut pas chercher plus loin. 20 mètres! C'est moi qui détiens le record de lancer de sac. Obsolescence programmée. Hein. Je suis très déçu, Théo. Le mensonge, c'est vraiment une chose. Eh ben, c'est moi qui garde le record. Papa? Obsolescence programmée. Papa? Je suis passé à la papeterie pourtant. Statistiquement, tous les 3 ans, on hérite d'un élève avec un nom à coucher dehors. Ah, cette année, on a été gâtés, regarde. Jérémy Macouille. T'imagines? Eh, ça va pas être facile, ma couille au tableau! Et moi en sport, plus haut ma couille! Bah Vidal, vous pouvez remonter ma couille? À la cantine, ma couille, hein! Faites la queue comme tout le monde! Mais faut tout finir ma couille, hein! Eh, qui a collé ma couille? Eh, il manque ma couille à l'appel! Non, franchement, c'est pas sympa pour le pauvre gamin, c'est pas de sa faute après tout, c'est à nous de donner l'exemple. Non, t'as raison. En plus, les adultes responsables, c'est nous. On va l'aider ce gamin, on va arrêter de se moquer. Qui a ma couille dans sa classe? Ma couille dans ta classe? Ça t'en fait 3! Hey, reviens ma couille! Ma couille! C'est ton écriture ça? Regarde-moi quand je te parle, espèce de petit... Oh là là là, Marina, on se calme! C'est quoi le problème? Vous savez à quoi jouent ces petits crétins en cours? Hein? Ils font un classement des MILF! Des MILF? Des MILF! Mmh. Des Mother I'd Like To... Des mères de famille qui trouvent à leur goût, voilà. C'est mon fils qui m'a prévenu, il a réussi à leur voler leur hit parade. Et je suis dedans. Marina a raison de râler, hein. C'est pas cool ce que vous faites. Pas cool? Mais enfin, c'est immonde! Regarde-moi quand je te parle! T'aimerais qu'on parle de ta mère comme ça? Ah non, voilà, hein, hein? Mais dès qu'il s'agit de rigoler entre potes, ça... C'est bon, là, Marina, je crois qu'il a compris, hein? Hein, Théo? Je suis désolée, madame Truffaine, je vous jure. Et moi, je te jure qu'on va pas en rester là. Je vais vous faire renvoyer, toi et tes copains, hein? Toute ta bande de petites racailles. Oh, racailles, c'est quand même un petit peu beaucoup, là. Regardez! Ah, les ordures! Ah bah oui, Isabelle, hein, vous êtes dedans aussi. Bah oui, encore heureux que je suis dedans, mais en 3e place seulement. À égalité avec vous en plus. Non mais enfin Théo, regarde-moi quand je te parle! Non mais quoi, vous avez de la merde dans les yeux ou quoi? Regardez quoi? Bah quoi? Y'a quoi? C'est énorme. Waouh. Bah dis-moi, je vois pas. Théo. T'es où? Chut, là.
Bah, en fait, bon, non, en fait, y a rien. Tu vois quelque chose, toi? Non. Vous regardez un truc. Benjamin, Théo, vous regardiez un truc tout à l'heure. Mon mari et moi, on a voulu venir vous voir parce qu'on est hyper choqués de la manière dont vous parlez aux élèves. Des gros mots, des insultes. C'est pas possible, ça, monsieur Glevarek. Vous êtes là pour donner l'exemple. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Il paraît que vous avez dit « ta gueule » à Antoine. Et? Bon, ça, à la limite, c'est pas super grave. Mais il paraît que vous lancez des craies sur les élèves. Non, alors, bah, pardon, mais c'est grave. Je veux dire, la politesse, c'est quand même la base de la vie en société. Oui, bon, enfin, un abus de langage, c'est pas méchant. Mais alors, les craies, moi, je trouve ça intolérable. Il paraît qu'il y a un élève qui s'est pris une craie dans l'œil. Mais, oui, elle, non, mais ça, à la limite, c'est exceptionnel. Mais je veux dire, les agressions verbales à longueur d'année. Couper la parole. C'est pas vrai, ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que toi qui as le droit de parler. T'es vraiment comme ton père. Ah, mais et lâche-moi avec mon père. Surtout qu'il y en aurait à dire sur le tien. Hein. Non, mais attends, t'emmerdes, mon père. Tu me fais chier à la fin. Gueule. Mais... Monsieur et Madame Desmoulins, ce sera tout. Merci pour cet entretien. C'était bien de se parler. Ricodo, faut savoir ce que vous faites? Je mène une enquête. Quelle idée saugrenue. Ça vous dérange pas, vous, de côtoyer tous les jours un être humain mort sans rien connaître de lui? Non, mais enfin, puisque vous êtes là, dites-moi donc ce que vous avez trouvé. Eh bien, en premier lieu, Hector était une femme. En témoignage, la largeur de son bassin. Elle avait 40 ans, et regardez, elle s'était cassée le poignet, sûrement quand elle était plus petite. Et elle avait une bonne hygiène dentaire. Comme ma première fiancée. Elle s'appelait Hilda. Mais le plus intéressant, c'est que j'ai découvert la cause de la mort. Regardez là, juste derrière le crâne. Une fracture. Et donc? Et donc, elle a été assassinée. On lui a fracassé le crâne avec un objet comme... Bah, comme votre pierre. Vous savez, vous êtes doué, Ricodo. Très doué. Mais enfin, ce ne sont que des hypothèses. Hein. Je vous laisse, j'ai d'autres choses à faire. Ça va, toi? Vous savez que parmi tous ceux qui étaient en 5e avec moi et qui sont allés jusqu'au bac... Oh, oh! Ça tourne. Oh, non. Allez. CR, chrome. HG, mercure. Bravo, Ricodo. Je vous mets 20 sur 20. À votre place. Mariani, à vous. BI, bi, bismuth. AS, as, astat. Buvez. Buvez! L'astat, c'est AT. AS, c'est l'arsenic. Reconnaissable à son petit goût amer. La nausée en est le premier symptôme. Puis de violentes douleurs abdominales s'ensuivent, puis la mort. Estimez-vous heureux, car pour aujourd'hui, je n'ai mis que de l'huile de foie de morue. Mais je n'aurai pas toujours cette clémence. Allez, on continue. Mariani, zéro. Vidal! Putain, c'était moi une! Ah, c'est vous! C'est moi quoi? Charlotte n'a plus que ce mot à la bouche, alors je me demandais d'où elle tenait ça. Quel mot? Bah... Putain. Ah! Et vous pensez que c'est moi? Oui. Ah bah oui, vous l'utilisez devant Laura. Laura le répète à Charlotte, et puis vous connaissez la suite. Hein. Oh, le quartier! 45 minutes pour se garer, putain! Et alors, et là, vous dites rien? Son fils n'est pas dans la classe de Charlotte. Non, mais peut-être que son fils l'a dit à Théo, qu'il l'a dit à Juliette, qu'il l'a dit à Laura, qu'il l'a dit à Charlotte. Ou pire encore, peut-être que Benjamin l'a dit à Théo, qu'il l'a dit à Mathilde, qu'il l'a dit à Maxime, etc. Vous connaissez la suite. Qui a dit quoi? Putain. Ah, c'est vous? Non, parce que Mathilde n'a plus que ce mot à la bouche. Mais non,
Enfin. Bah. Mais monsieur, ça se fait pas là. Ah si. Hé, hey, une 18. Après ça, viens pas me dire que tu peux pas aller chercher le mannequin au fond de la piscine, Mariani. Mademoiselle, merci. Continuez. Madame Bresson, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je voulais savoir pourquoi vous avez collé ma fille samedi et 2 heures en plus. Je n'ai pas indiqué le motif. Ah bah si. Delphine bavarde tout le temps. Bon, ben... Ben voilà, c'est ce que vous avez marqué. Or, Delphine dit que c'est faux et qu'elle n'a absolument pas bavardé. Et évidemment, vous la croyez? Ah, absolument, ma fille ne ment jamais. Jamais? Jamais. Donc quand elle raconte à ses copines que vous l'avez oubliée à 4 ans sur une aire d'autoroute pendant 3 heures, c'est vrai? 3 heures, non, c'est une exagération. Et c'est... quand elle dit qu'elle dort une nuit sur deux chez vos voisins parce que vous couchez avec votre prof de yoga de 53 ans, qui est marié et père de 2 enfants, c'est... Elle a osé raconter ça. Oh, quelle sale petite menteuse. Pour la colle, pas de contestation? Non. Ou plutôt si. Vous lui mettrez 4 heures. Mais par rapport au prof de yoga, je n'ai rien fait. Hein. Il est venu vers moi et je n'ai rien pu faire. Oui. Il a glissé, quoi. Voilà. Ça n'a pas l'air d'être la grande forme. Oh là là, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi, là? Comment ça, moi aussi? Non, mais rien, mais c'est des histoires de mecs, là. Allez-y, monsieur Vidal. On est entre hommes. C'est ma femme. Elle m'a dit, après le gros câlin du matin, « Oh, c'est pas la grande forme, mon chéri, mais c'est pas grave !» Et alors? Et alors? Un Vidal, c'est toujours en forme. Jamais une femme s'est plainte dans la famille, jamais. Mais mon pauvre, vous vous êtes fait manipuler comme un bleu, hein? Elle a dit ça pour que vous vous dépassiez la prochaine fois. C'est de la psychologie inversée, un moyen typiquement féminin pour avoir toujours un homme performant dans son lit. Ah bon? Oui, bien sûr. Moi, la mienne, ça fait 25 ans qu'elle me dit que je suis nul. La petite gourmande. Lorraine, dis-moi, tu peux me traduire ça, c'est un peu urgent. Of course, Olivier. Alors, this medicine is a foot supplement made for horses. Bah, grosso modo, c'est un médicament pour les chevaux. Rassure-moi, t'as pas donné ça à un enfant quand même? T'es folle ou quoi? Je suis pas irresponsable, hein. Waouh! Olivier, tes vitamines, c'est du tonnerre! J'avais un petit coup de mou, j'ai voulu l'aider, rien de bien méchant, hein. Allez, on fait la course! Allez, on fait la course! Allez! Oh, c'est pas rigolo, hein! Eh ben, j'y vais toute seule! Pardon, monsieur? La réunion des parents élèves est dans 1 heure. Oui, bah, écoute, je m'en occupe. Hein. Allez, Henri, t'aimes le trampoline? Oh, le trampoline! Il est fait dur 12 heures! Bah, écoute, si ça suffit pas, on fera 20 tours de stade. Allez, on y va! Allez, on monte! Allez, vas-y, vas-y! Oh merde! Je suis désolée! Je trouve Camille particulièrement ralentie. Charlotte? Charlotte. Oui, bah écoutez. Je vais la coucher. T'as pas cours avec tes troisièmes normalement, toi? Là, je suis en plein cours. Tiens, tu vois les points verts là sur l'écran là? Bah, ce sont mes élèves. Mais ils sont où? Au beau milieu du lac. Je viens de commencer un cycle que j'ai intitulé Les Petites Voiles. Une semaine de régate en optimisme en binôme, sans assistance. Oh non, mais c'est hyper dangereux, hein? Ah ouais. Et pourquoi ils se m'ont clignoté celui-ci? Ah, ben ça c'est Vidal et Granet qui viennent de déclencher leur fusée de détresse. Ouais, Vidal! Alors? Attends, c'est rien, ils ont percuté un rocher et l'optimiste est en train de sombrer. Oh là 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 là! Ah ouais, non mais attends, pas de panique, hein, tu vas voir. Appel à tous les bateaux. 4 points de plus aux élèves qui vont sauver Vidal et Granier. Je répète, 4 points de plus. Et voilà. Ah, ils sont très volontaires. Là, ils sont très très volontaires. Hein. Ah,
Monsieur Ricaudeau, ça tombe bien. Je voulais vous poser une petite question. Mais pas de problème, Madame Ruffin. Je suis toujours ravie de partager mon savoir. Alors voilà. En fait, ma fille Charlotte va pas tarder à rentrer au collège et je pensais à lui faire apprendre l'allemand dès maintenant pour être sûre qu'elle soit dans une bonne classe. Et vous avez parfaitement raison. Oui. Mon fils a appris le russe dès la maternelle. Et en ce moment, il apprend le chinois et le japonais. Je l'ai même envoyé en séjour linguistique en Corée du Nord. Moi, par exemple, ma fille, je lui lisais des histoires en grec ancien dès l'âge d'un an. Mais vous avez parfaitement raison, non, parce que les langages, c'est bon pour les voyages. Ça rime. De toute façon, dans un monde en expansion permanente, il faut être polyglotte, on est d'accord? Exactement. Bonjour, papa. Ah, mon fils. Bonjour. Bonjour, petit Paul. Dis-moi, mon chéri, tu parles combien de langues en ce moment? En comptant les dialectes indiens, 12. 12? Ah oui, c'est très impressionnant. Donc tu peux communiquer avec le monde entier. Bah ben oui. Absolument, oui. Je suis partout chez moi. Je suis en contact permanent avec... Hé, hey, salut, Kevin! Paul! Do you hear me, my son? Bonjour, Mme Truche. Bonjour. C'est gentil à vous d'avoir accepté de nous donner quelques petits cours particuliers comme ça. Oh, mais avec plaisir, Monsieur Vidal. Il n'y a pas d'âge pour s'améliorer en français. Tenez, vous pouvez vous asseoir à la place de votre fils, hein? Là, voilà. Alors, dites-moi, vous souhaiteriez qu'on commence par quoi? En fait, mon problème à moi, c'est les lettres. Quand on écrit à quelqu'un. Les lettres, bien sûr, oui. Vous souhaitez progresser dans l'art de la correspondance, c'est ça? Voilà, parce que moi, les devis, les factures, je maîtrise, là, il n'y a pas de problème. Mais là, il faut que j'écrive une vraie lettre, bien écrite et je cale, là. Ah, traduire les nuances de nos émotions est un exercice délicat. Surtout quand on s'adresse à un être cher. En fait, c'est quelqu'un que j'ai vu qu'une fois, qui m'a écrit depuis, mais il faut absolument que je lui réponde. Je sais exactement ce que j'ai envie de lui dire, hein, mais... Mais vous avez peur de froisser ses sentiments en étant trop direct. Voilà. Et en même temps, je veux être sûr que mon message y passe bien. Et c'est quoi au juste, ce message? On est entre nous. Alors, avec mes mots à moi. Hein. Ok, alors moi, ce que j'aimerais lui dire, c'est... Tu sais où tu peux te le foutre, ton contrôle fiscal, connard? Voilà. Alors, avec vos mots à vous, hein, Madame Truche. Madame Truche. Ah, Eh ben Paul, qu'est-ce que tu fais là? Bah dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec un élève? Pas qu'avec un, avec plusieurs. Et c'est pour ça que tu te caches, ils te cherchent. Et tu sais quoi Paul? C'est parce qu'ils sont jaloux. Mais ça va pas durer. Tu vois, toi plus tard tu vas sortir du collège, puis du lycée. Tu vas faire bonnes études, pas comme les autres. T'auras pas à bosser 15 heures par jour pour un salaire de misère. Tu vas trouver un super boulot, Paul, qui te plaît. Avec un bon salaire et tous les avantages. Vous croyez? Mais j'en suis sûr, mon bonhomme. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? D'après mon père, inspecteur d'académie, c'est bien. Pour virer les profs qui foutent rien comme vous. Oui, bon là, Paul, tu me laisses pas le choix. Ricaudeau se cache là! Je l'ai! Ricaudeau est là! Oh là là, Madame Pitou! Mais dis donc, ça a pas l'air d'aller? Je suis fatiguée. Hein? Je suis épuisée, c'est mon bébé. Je dors 3 heures par nuit, j'y arriverai jamais. En plus, je vois bien, je suis pas une bonne mère, j'ai peur de le toucher, il est si fragile. Non mais c'est normal, c'est les premiers mois qui sont difficiles, mais après vous allez voir, il va y avoir les premiers pas, la première fois il va vous dire « maman », quand la petite souris va passer pendant la nuit, et puis quand vous allez enlever les petites roues à l'arrière du vélo. C'est beau quand vous parlez. Mais oui, vous allez voir, c'est magnifique de les voir pousser. Allez. Ah, t'es trop un bolos. Hey mec, chope ça. Bon, non, alors après, l'adolescence est un petit peu à part. Hein. On oublie l'adolescence. C'est un moment difficile, mais après, ça s'améliore. Hey, Roger. Tu connais pas la dernière? Ouais, ces deux blondes sont dans l'ascenseur. Il y en a une qui dit oh, Christine, tu prends plus l'escalier. L'autre, il dit bah non, il est toujours en panne. C'est une fille ou un garçon, votre bébé? Ouais. Garçon. Oh là. Bonnes vacances. Bonnes vacances, mademoiselle. Bonnes vacances, les jeunes. On se protège, on met de la 50. Bonnes vacances. Bonnes vacances à tous. Passez de bonnes vacances. Putain, Olivier, faudrait que tu comprennes ça un jour. Les élèves sont en vacances, les profs sont en vacances, mais pas les parents. Merde. Parce qu'il y a un moment, faut juste arrêter de faire chier. Moi, c'est le mot vacances, je suis désolé. Hein. Je mets une tartine. Très bien. Cher monsieur. C'est une dame. Madame. Madame, monsieur, je ne sais plus. Monsieur, dame. C'est dingue.
D'accord. Voilà. Delphine. Parle encore, mon ange resplendissant, comme un esquimau, hein. Juliette, symbole de l'amour-passion, vous la faites rayonner en tant qu'un esquimau. Roméo, vous êtes Roméo, donc vous êtes amoureux, d'accord? Allez, il passe le turbo, Roméo, là! Oh, parle, mon ange resplendissant, et après, paf, vous l'embrassez. Papa. Comment ça, papa? Pourquoi? Bah, c'est Juliette. Oh, écoutez, mon petit Théo, tous vos camarades de l'atelier théâtre sont malades aujourd'hui. Bien contents qu'on ait pu s'arranger, hein? En plus, elle est très bien, cette Juliette. Bonsoir, mesdames. Ah, bonsoir, monsieur Glébarek. Je voulais m'excuser. Pour? Bah, donner à vos enfants un devoir d'histoire à faire à la maison pendant le week-end, c'était un petit peu dur pour vous. Pour nous, c'est pas... Pourquoi? Ça fait assez longtemps que je fais ce métier pour savoir que ce sont toujours les parents qui font les devoirs à domicile. Ah, mais non, pas du tout. Enfin, pas moi, en tout cas. Ouais, enfin, non plus. Alors, là... alors, je vais vous rendre directement les copies. Madame Truffen, 12. Quoi? C'est tout? Ça partait bien, mais la dernière partie est un petit peu faible. Oui, mais ça, c'est parce que j'ai manqué de temps à la fin, parce que j'avais un dîner avec mon mari, alors... La bâclée, ça fait mal, ça. Madame Desmoulins, oui. Je vous ai mis 10. Quoi? C'est tout? Mais attendez, mais j'ai passé tout mon dimanche. Oui, il y a du travail, mais c'est un petit peu confus. Essayez de mieux lire le sujet la prochaine fois. Est-ce que je peux... Ah, Madame Bresson, alors vous n'avez rien foutu du week-end. Votre fille vous a pas dit qu'il y avait un devoir à la maison à faire? Bah si, mais j'étais invitée chez des amis, alors du coup, c'est vrai, je l'ai laissée se débrouiller seule. D'habitude, vous arrivez à faire en sorte qu'elle ait 7 ou 8, et là, 14. Quoi? 14? Elle a eu plus que moi? Attendez, que moi? Mais c'est dégueulasse. C'est vrai, c'est injuste. Mais le règlement est formel. Je peux pas interdire à un élève de faire ses devoirs lui-même. Merci. Bonne soirée. C'est excellent. Alors là, on imagine qu'il y a vraiment le feu. Vous courez vers l'escalier, mais manque de peau, l'incendie monte déjà les marches. Aucune issue. Là, vous êtes mal. Surtout si vous suivez les directives. Parce que les directives, elles disent, vous rentrez dans la classe, vous vous calfeutrez et vous attendez les pompiers. Là, moi, je vais vous dire la vérité, comme j'ai dit au 6e ce matin. Si vous faites ça, vous êtes mort. Vous aurez cramé 20 fois avant que les pompiers arrivent. Alors, on oublie les directives et on passe au plan B. La fenêtre. Vous n'avez pas le droit de nous dire ça. Dans le règlement. Le règlement, je m'en tape. Je ne vais pas laisser mes élèves brûler vifs pour faire plaisir à un technocrate de mes deux. Bon, allez, Paul. Viens là, tu nous montres. Viens. Bon, alors t'imagines, l'immeuble est vraiment en feu, hein. Mais il n'y a aucun risque, c'est juste un exercice. Je l'ai fait ce matin avec les sixièmes, ça s'est super bien passé. Allez, vas-y. Allez. Bah, écoutez. C'est quand même pas plus nul qu'un petit sixième, quand même. Allez. Ah! Non, sauf que les sixièmes, ils sont au rez-de-chaussée, pas au troisième étage, monsieur. Troisième? Oh, merde. Ça va, Paul? Ça va, monsieur, j'ai réussi. Ah ben ça a l'air d'aller, dis donc. Oui, je corrige le DM de chimie des troisièmes. Le DM? Attends, me dis pas que tu leur donnes encore des homeworks à faire à la maison. Ben si, pourquoi? Ben, Régis, on est au 21e siècle. T'as jamais entendu parler d'Internet? Non, je te signale qu'il n'y a plus aucun élève sur Terre qui fait passer de voir en pompant tout sur le web. Ah, ça oui. Non, mais t'en fais pas, je suis au courant. C'est pas un problème. C'est pas un problème? Ça te dérange pas qu'ils pompent tout sur le web? Non, mais le devoir que je leur ai donné, c'est sur la masse moléculaire des éléments. Bon, je suis pas bête, hein. Je savais bien qu'ils allaient tout pomper. Du coup, je suis allé sur le net, j'ai bourré la page de conneries. Ah bah, ils sont tous tombés dans le panneau, les nuls. Non, mais il n'y a pas à tortiller. On a beau être au 21e siècle, il y a des plaisirs qui se perdent pas. Zéro, hop. Et lui, la même chose, zéro. Bon, tu fais comme on l'a dit, hein. Dès que tu reçois l'énoncé, tu fonces, hein. Tu me le déchires, ce contrôle, hein. Tu sais pas. Mais c'est quoi ce pas, là? Attends, j'ai passé le week-end à préparer ce devoir. Tu veux pas t'écrouler si près du but, hein? Non, c'est pas ça, c'est juste. C'est un gagnant que je veux voir, moi, hein. Un pitbull, là, pas une victime. Hein? Et elle finit sous les victimes? À Pôle emploi ou à l'éducation nationale. Exactement, c'est bien, mon fils. Allez, fonce. Et monte le Vidal qui sommeille en toi, hein. Tu vas tous les sécher. Justement, c'est ça le problème.
Oh non, t'as pas oublié tes sorties sèches. Je t'ai trompé en les fabriquant, en fait. T'as confondu, c'est un contrôle de physique, pas de chimie. Oh, mais c'est pas vrai, mais quel con! Tout un week-end flingué pour rien, là. Oh, je suis désolé, fiston. C'est pas grave, pas assez l'intention qui compte. Ah, tu sais quoi? Donne-moi ton carnet de correspondance. Et je vais te faire un mot d'absence. Je vais dire que t'as un problème physique, t'as compris? C'est qui le meilleur, les papas? C'est toi, papa. Bah, évidemment. Allez, viens. Bon, nous sommes bien d'accord, hein. Il est très important, vous savez, d'avoir le même discours entre la maison et l'école, d'agir de concert. Nous sommes parfaitement d'accord. Il doit être plus rigoureux. Voilà, voilà. Prendre confiance en lui, oui. Travailler plus régulièrement à la maison, faire ses exercices en temps et en heure. Pas de problème. Bon, ben, je vous remercie, monsieur Mariani. Je vois que vous suivez de près le parcours scolaire de votre enfant et c'est rare de nos jours. C'est moi qui vous remercie. Alors, à bientôt. Voilà. Hein, au revoir. Dites-moi, j'ai oublié de vous demander, vous êtes prof de quoi, en fait, le... Madame? Oh là là, la prof de... Allez, madame? Mon mari et moi, on a venu vous... Mon mari et moi, on a venu vous... Oh, tu sais, t'es quelle échéante, cette phrase. Bon, c'est parti, allez. On est venus ensemble. Mon mari et moi, on a venu vous voir... Putain, on va jamais y arriver avec celle-là. C'est parti.